Bonjour tout le monde, c'est Ti, on se retrouve pour un petit épisode des gens du talent. On est en Asie aujourd'hui. J'avais envie de changer un peu de décor. On est en Asie et on va voir ce qu'on a. C'est pas un spécial Asie, je vous rassure. Et oh, j'avais jamais vu, mais c'est pas plat. Regardez. Ou alors c'est les couches de terre qui sont différentes. Enfin bref. Du coup, on va regarder ce qu'on a aujourd'hui. On a pas mal de choses. On en a 6 qui m'intéressent particulièrement. En premier, on a ce petit truc qui est extraordinaire, qui est un jeu pour enfants. Donc, il y a tout dedans, quoi. Il y a le pont-singe, passer dans les anneaux. On a le petit escalier pour aller dans différents toboggans. On a les... Ça, là. Ça, j'y arrivais jamais. Je faisais un, je prenais mon élan, deux, trois, et poum, je tombais. J'étais lamentable. Lamentable. On a la fameuse... barre des pompiers et on a une petite balançoire ici, c'est vraiment très très beau, très très cool. Oh, on a les petits points d'escalade aussi ici, ça c'est très très bien. C'est un truc comme ça que j'aimerais mettre dans le zoo. Faudrait que j'apprenne à faire ça, mais vous savez, des fois qu'on n'est pas habitué à faire des constructions, etc., ben, on met un peu plus longtemps que les autres à faire ce genre de choses. Faudrait que je le fasse, hein. Faudrait que je m'habitue à le faire et que j'en fasse. Mais j'aime beaucoup, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Hop, on va mettre ça comme ça. Ensuite, nous avons... Ah, des dead trees, des arbres qui sont morts. Ça peut être très très utile, donc pour tout le monde en fait. Ce sont des arbres... Alors, les amis un par un. Ah d'accord, en fait... C'est... Comment dire? Une sorte de... D'inventaire de tous les arbres morts qu'il y a. Comme ça, en fait, vous n'avez pas besoin de chercher à gauche ou à droite. Vous posez ça dans un coin, vous dites, ah, j'ai besoin d'une racine. Alors, quelle racine je vais prendre? Ah, celle-là, voilà. Du coup, hop, vous prenez cette racine, vous faites un hop, et tadam. C'est quelque chose de plutôt assez sympa. J'en connais beaucoup qui mettent les constructions, les objets de construction sur le côté de la map pour construire leur projet sur le côté gauche et ils font ça, ils prennent ah tiens je vais mettre ça, je vais mettre ça, je vais mettre ça, et donc c'est plutôt quelque chose d'assez utile, je dois avouer. Et vous avez bien besoin de chercher pendant 40 ans ce dont vous avez besoin. En plus là vous avez les différentes couleurs des pierres pour les arbres, là on a les troncs moussus, on a vraiment de tout. Donc c'est pas mal, on a même des constructions, parce que ça n'existe pas, si. Ah si, c'est pour les jaunes cassés. Donc c'est plutôt utile. Ça, je l'approuve, il n'y a pas de doute, c'est plutôt utile, c'est plutôt sympa. Et c'est une bonne idée. Ensuite, nous avons, tac, 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 ah, Magical Forest Habitat. Alors, c'est la première fois que je montre un habitat, mais, hop. Voilà, oh, punaise. Du coup, nous avons un habitat, et en fait, c'est un habitat fantasy, qui est très très beau. Donc, je pense que c'est pour les castors. Mais regardez-moi comme c'est juste magnifique. Et en fait, quand j'ai vu ça sur le workshop, je me suis dit, tiens, et si le prochain zoo, le prochain zoo, ne serait pas dans un monde fantasy? Mais avant le monde fantasy, il y aura le zoo en franchise qu'on va faire ensemble, qui va nous permettre aussi de faire ensemble toute une série de vidéos tuto pour les nouveaux arrivants. Donc ça va être cool. Mais je pense que le prochain zoo sera un zoo fantasy avec de belles petites maisons, de beaux petits sentiers forestiers, etc. Ça peut être très sympa, moi je trouve, non? Regardez, ça rend bien en plus, hein? Et là, on a le passage, regardez le passage tout. Ah ouais, regardez, il a posé brique par brique. C'est sublime. On a quelque chose de très très beau ici. Hein. Vraiment, c'est merveilleux. Je suis choqué. Mais je valide à 100%. Ensuite, nous avons... Ah,
Le Modern Exhibit with Keeper Door. Donc nous avons alors un exhibit avec donc des vivariums. Je trouve assez mignon, mais surtout je voulais vous montrer ça. C'est lui qui l'a fait, ce sont il a fait des petits digicodes. Je trouvais ça assez intéressant. Et après le bâtiment est assez sympa. Ah ouais, plutôt même très sympa. Et en mettant quelques arbres ici, ça peut rendre un truc assez cool. Et même le toit, regardez comme il est beau le toit en fait là. Je le trouve assez stylé. Ah, il a mis la ventilation pour faire une sorte de petite cheminée ventilée. Ouais, ouais, non, j'aime bien. J'aime bien, c'est quelque chose que je valide. Il est beau. C'est très très bien. J'aime bien. Ensuite, nous avons... Tac. Riyad Shop Shell Medium. Donc, c'est un bâtiment... Oh, ça va être du lourd, je sens. Ah ouais. Ah, sublime. Un bâtiment superbement décoré, style indien. Où à l'intérieur, on peut mettre différents... magasin. On en a un là. On peut en mettre un autre là, si j'ai bien compris. Oui. Mais la porte est cachée, donc je pense que c'est pour un comment ça s'appelle, du staff. Et par ici, je pense, ouais. Là, je pense que c'est pour les. Ah non, maintenant la porte elle est là. Ah non, il a mis une porte là. Donc on peut mettre ici la belle zone, la belle. Comment ça s'appelle, de repos qui est allongée. Donc ça peut être très cool. Puis regardez-moi tout ce décor, j'adore les petits détails comme ça. C'est vraiment, regardez-moi toute cette couleur aussi, c'est très beau. C'est vraiment très très beau. J'approuve entièrement. Puis regardez là, hop, quelques petites briques qui dépassent. C'est vraiment très très beau. Là le linge qui est tendu, j'approuve entièrement. J'approuve. Nickel. Et pour finir... Quelque chose qui va pouvoir vous aider aussi, ce sont des constructions pour les panneaux d'instruction pour les animaux. Il y en a différentes formes. Celui-là, il est pas mal avec l'animal, mais il faudrait qu'on ait tous les panneaux d'animaux pour faire ça. Celui-là, il est pas mal, il est très intéressant. Celui-là, il est assez basique, mais sympa. Celui-là, très beau. Il y a plusieurs webcams aussi pour mettre les nids, à la rigueur, les terriers. Donc ça, c'est une bonne idée. Sache, j'avais fait quelque chose pareil pour les castors dans le lot de clés. Oh, une petite maisonnette. Ça, c'est sympa. J'aime bien. Ça, ah, ça, je vois bien dans le... dans des zones arctiques. Ah, avec ça, bien sûr. Oh, très, très joli aussi. Les gens aiment beaucoup décorer. Fais voir l'extérieur. L'extérieur, ça va encore. Hein. L'extérieur peut être sympa aussi. Et là, on a le panneau de préservation et le panneau d'éducation. Non, panneau d'éducation, panneau de préservation. Et moi j'aurais rajouté sur le côté là des petits bambous pour faire une sorte d'hôtel à insectes. Ah, ça aurait été fait trop trop bien. Mais ça donne des idées. J'ai tant manque d'idées, je dois dire, pour les panneaux d'éducation, d'information. Et là, je trouve que ça donne pas mal de bonnes idées. Et je pense que je vais faire des panneaux comme ça. Mélangeant les deux, ça peut être très sympa. En tout cas, j'aime bien, j'approuve encore entièrement. Donc voilà ce qu'il en est pour aujourd'hui. On a nos 6 créations. Que des bonnes idées. J'aimerais tellement réussir à en faire. Je vais m'entraîner pour en faire un pour une zone où il y aura un parc enfant encore. Là, c'est juste les objets qui sont mis côte à côte, mais c'est très utile. Ça vous évite de chercher pendant des heures dans la barre de recherche, quoi. La petite maisonnette, là, qui est très belle pour un style indien-africain. En fait, je ne sais pas trop où le classer, en Inde ou en Afrique. Je sais pas. Il a mélangé les deux, mais ça rend très bien pour les deux, je pense. Ça, très bonne idée pour vos parcs. Moi, je vous dis, celui-là, c'est le meilleur. Je le kiffe à mort. Et ce superbe habitat fantasy. Qui est magique. Il est magique, il est sublime. Et bravo. J'aimerais, faut que je trouve s'il a un zoo qui est avec, qu'on le visite. Il va être hyper lourd, mais c'est pas grave.
En tout cas, moi, je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Puis nous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.